Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok avec l'épisode 43. Et on venait de tuer Garm, malheureusement, un loup qui passait entre les univers et qui avait foutu un boxon pas possible parce qu'il a été libéré par Atreus. C'est donc parti, plongez-vous dans le noir, mettez 4K 60 FPS, la base. Et on est parti, évidemment, pour la suite. Ça m'a beaucoup embêté de le tuer, mais enfin, écoutez. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant? Atreus. Malheureusement. Je dois fermer mon cœur à la douleur. Encore une porte close. Oh! Oh! Incroyable. Appuyez deux fois sur L1 pour effectuer une attaque chargée. Ça, je fais, ça. Ça, je fais. Je dis oui. Attendez. Niveau 6. Très bien. On est bon. Superbe. Alors. Comment ça marche? Comment ça marche? Et ça marche. Et ça fait. Très, 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 très bien. Alors, attendez. Je pense que... Encore. Est-ce que tu as une idée? Peut-être utiliser mes flèches sigillaires pour mener le jet jusqu'au rouage. Pas mal ça. Ah! Mettons. Ah! Ok, je pensais pas que trois mêmes flèches au même endroit devraient suffire. Tu étais enfin, parti. J'ai vu les Nornes. Elles m'ont dit que Heimdall avait l'intention de te tuer à Asgard. Heimdall? Les Nornes? Je pensais que tu n'y croyais pas. Ah. Wow! What the fuck? Mec, il était pas mort! Il faut partir! Vite! Tout dans le sas! Allez! Allez! Kratos! Non! Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas! Tu sais pas? Ah oui, il est énervé là! Qu'est-ce que j'ai? Sors! Vite! Ok. Il est énervé, putain! Je pensais lui avoir brisé la nuque! Wouh! Ok! Ça va, calme, calme, calme! Fireball! Ok? Saute! Ok, ok. Superbe. Enfin, superbe. On aurait pu rêver mieux quand même. Attention. Viens, on se casse. Ça sert à rien, Atreus. Viens, on s'en bat les couilles. Voilà, on peut pas nous saouler là. Oh. Bon, on n'est toujours pas débarrassé. Les morts déferleront sur les royaumes. Ils s'effondreront. Tu dois apprendre à garder ton calme. J'ai peut-être appris que je m'en sortais mieux dans le chaos. Qu'as-tu appris d'autre? Qu'on est plus fort quand on se fait confiance. Ok. Putain, c'est la merde ça, tout ça, non? Je peux me permettre de... Tu m'entends? Où est-il? Attention! Bravo! Lui éclater la gueule. Ça va? Oui, nous te devons. C'est reparti. Il s'avance. Il doit avoir des problèmes.
On va le retrouver. Oh non. Mais c'est pas vrai, ça va jamais s'arrêter. Qu'est-ce que c'est? Et ça, je prends. Bon, allez, c'est parti. On dirait que c'est une sorte de bénédiction, je sais pas, purification d'âme. Trouvons un autre moyen de monter. Qu'est-ce que tu as fait? À la maison. Le sort que tu m'as vu jeter quand Fenrir est mort. Sans le savoir, j'ai enfermé son âme dans mon couteau. Les âmes sont puissantes. Alors j'ai pensé que Fenrir pourrait... changer sa nature. Oui, j'espère que ça a marché. Quand je t'ai trouvé à Midgard, avant que Freya nous attaque, tu as dit que tu devais me protéger. Pourquoi? J'ai vu une prophétie. Tu étais... dans mes bras. Je l'ai vu aussi, à Jotunheim. Tu savais? C'est pour ça que tu m'entraînais si durement. Un jour, il te faudra survivre. Sans moi. Ça n'arrivera pas. Je ne le permettrai pas. Jamais. Tous les voyages ont une fin. Pas le nôtre. Pas comme ça. Très embêtant. Ok. Yo, la bibiche. Chut. Ça va aller. Désolé de t'avoir blessé. C'est terminé. Promis. Fen, c'est toi? Si tu m'as manqué.
et j'étais pas sûr que ça marcherait. On a réussi. Assis. Comment est-ce possible? C'est la magie des géants. J'ai appris quelques tours. À Asgard. Ça n'a rien à voir avec ça. Encore des secrets? Non. Une promesse. Et quelqu'un compte sur moi pour la tenir. Comme celle que tu as tenue à ma mère. Tu vois ce que j'accomplis quand j'ai ta confiance? Rentre! Devrions prévenir les autres et planifier la suite. Alors, eh ben, c'est bien moins triste que ce que je pensais. Et tant mieux. Exact. Heimdall est une ordure, mais tu n'es plus le genre de personne. Hein? Un tueur de dieu. Tu ne souhaites pas la guerre. Non. Mais je ferai ce qu'il faut pour te protéger. Ok. Parfait. Alors, si j'ai bien compris, je dois aller à gauche. D'accord. Néanmoins, il y a quelque chose à droite. Donc, allons à droite pour commencer. Ici, une fleur. Tiens. Ah, une recette. Je dirais que c'est une âme en fleur. Ah. Bah non. Ok. Bizarre. Qu'avons-nous là? Encore une énigme. Alors attendez. Ah ok. Ok. Se fier aux oracles. Pourquoi leur prêtes-tu attention? Quand ta vie est en jeu, je ne peux prendre aucun risque. Ok. Corbeau d'Odin, presque la moitié tuée. Il nous dit d'aller par là, mais au moins à gauche, il y a quelque chose d'intéressant. Pour l'argent au sol. C'est quand même assez terrible. Waouh. Attendez, les gars, on pouvait passer par ici, vous êtes en train de me dire? Qu'est-ce que c'est? Bon. Il y a des trucs un petit peu partout, ça m'embête. Qu'avons-nous là-haut aussi? Ok. Là. Oui. C'est Rasvelger. Est-ce que je lui ai dit quelque chose? Le perchoir de L. Ok. Rasvelger, garmoule sa quel coup. Il dit qu'il y a 6 brèches à refermer. De ne pas attendre un merci. Ces brèches n'auraient jamais dû être ouvertes. Elle n'a pas tort. Ok. Bon. Conversation plutôt brève, enfin efficace. Alors, j'ai bien compris pour les brèches. Néanmoins, on est d'accord que normalement, on n'en a croisé qu'une seule. Donc je pense qu'on les trouvera dans, évidemment, les autres royaumes. Allez, c'est parti. On trace. Direction la suite de notre incroyable aventure. Ok, c'est une nouvelle zone. Hein. Donc les brèches sont peut-être ici, je ne sais pas. C'est mystique, a été enseveli. Je m'en charge. Ok.
Qu'y a-t-il ? Je suis... rattrapé par mes démons. La colère. La méfiance. Avec toi. Aujourd'hui et par le passé. Je t'ai repoussé. Mais sans toi, j'ai fait preuve d'imprudence. J'ai été arrogant et j'ai commis des erreurs. J'ignore pourquoi j'ai cru que je pouvais y arriver seul. Tu avais raison. Non. Au cours de notre voyage, tu es devenu un guerrier, digne du nom que tu portes. Sache que c'est moi qui n'étais pas prêt. T'es pas... obligé de redevenir l'ancien toi parce que je suis plus là. Faisons-nous une promesse. J'écouterai ta voix dans ma tête en ton absence. Elle me guidera. Et tu en feras de même. Tu es d'accord ? J'ai besoin d'être sûr que tu iras bien sans moi. Atreus. Je suis désolé. Ne sois pas désolé, père. Sois meilleur. Rentrons à la maison. Oh, c'est beau, c'est beau. Tout ce qui est écrit... être effacé. Tu te souviens ? Nous ne devons pas laisser les prophéties dicter nos choix. Alors nous façonnerons notre propre destin. Retournez chez Sindri. Le doute m'habite. Pour être très honnête avec vous. Qu'y a-t-il là-bas ? On n'est jamais passé ici, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Attends, ou alors je suis fou. Ah, si. Si, c'est là où on est descendu. Ok. Ok, ok, ok. Donc on était déjà passé là. Très bien. Allez, on retourne chez Sindri. C'est là où on était descendu et qu'on avait cassé une sorte de pilier de glace l'épisode précédent. Je m'en souviens comme si c'était hier. Sauf que c'était il y a exactement 45 minutes. Hein. Let's go. On me demande même plus où je vais. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant qu'on retourne chez Sindri ? Non. D'abord, nous allons chercher Mimir. Tu nous diras ce que tu as appris à Asgard. Ensuite, nous verrons. Tu le vois vraiment comme un frère. Et Freya ? On dirait qu'elle s'est installée en mon absence. Sa haine redirigée contre Odin, elle a fini par comprendre que nous avions des intérêts communs. Oh. J'avais essayé de l'en convaincre, mais... Quand était-ce ? Oh. Avant que je commence à te dire où j'allais la nuit. Je vois. Hé, elle ne m'a pas tué. Je n'ai rien dit. Ok. Bon. Bienvenue à la maison. Let's go.
Bonsoir. Vous revoilà. Tout s'est bien passé? La bête ne devrait plus nous déranger. Oh, c'est un sacré soulagement. Cette vieille carne de garde est finalement refroidie. Oui, en quelque sorte. Atreus, que tu sois allé à Asgard après tout ce qu'il nous a fait subir, jamais je ne pourrai le comprendre. Mais j'ose espérer que tu nous rapportes quelque chose d'utile. J'espère aussi. Approchez, que je vous montre ce que prépare Odin. Ce qui l'intéresse plus que toute autre chose, et plus encore que le Ragnarok, c'est ce masque. Quelqu'un le reconnaît? Cette chose? C'est une impasse. Il perdait déjà son temps avec ça bien avant que je le connaisse. À dire vrai, j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'une mauvaise blague des géants. Bon, d'accord. Non. Tu te trompes, Mimir. Ce masque est réel. Les géants ne l'ont pas conçu. Et ils ne sont qu'une poignée à l'avoir aperçu dans leur vision. On ignore son origine, mais certains pensaient qu'il permettait de contempler les secrets de la création elle-même. Est-ce un oracle? Bien plus que cela. Imaginez que vous puissiez fusionner avec la source d'un savoir infini. C'est pour ça qu'Odin m'a torturé. Alors qu'en penses-tu? Tu le connais? Non. C'est une obsession dont il n'a jamais daigné me faire part. Mais sachez une chose. Même lorsqu'Odin énonce une vérité, il dupe celui qui l'écoute. Quoi qu'il en soit, nous aurions tort de nous laisser distraire. Heimdall n'est-il pas notre seul objectif? Nous réécrirons notre destin autrement. Alors je retourne à Vanheim. Si nous n'allons pas affronter Odin, j'aiderai au moins mon frère à se dresser contre lui. Nous la rejoindrons le moment venu. Mère, je vais étudier mes notes sur le masque. Passer et réfléchir au royaume à un plan. De Vanheim. Mais si tu veux aller quelque part, je t'accompagne. Écoutez, je voudrais vous dire. Je suis vraiment désolé d'être parti comme ça. Vous savez que je ne vous ferai jamais de mal intentionnellement. Eh bien, quand on se change en ours par accident, j'imagine que ce genre de choses peut arriver. Alors, est-ce que vous me pardonnez? Bien sûr, Atreus. Tu ne pensais pas à mal, petit. Sindri? Je finirai bien par le faire. Un jour. D'accord. Je m'en contenterai. Tant que nous y sommes, j'espère que vous me pardonnerez d'être resté en retrait pendant l'assaut des Éléens. Quelles que soient mes réserves quant à la violence, elles ne devraient pas entrer en compte lorsque votre foyer est attaqué, surtout par de telles abominations. Pourtant, je me suis saisi d'un bouclier et non d'une épée. Tu as eu raison de me le reprocher, mon vieil ami. La prochaine fois que vous aurez besoin de moi, je serai prêt. Bien dit, Tyr. Je sais que tu le seras. C'est vrai que ça fait longtemps que Mimir n'était pas à nos côtés. Laisse-moi améliorer ta... Une amélioration pour l'âge est disponible. Je ne supporte pas de l'avoir dans cet état. Ok. Montre-moi Allons-y. Ça. Alors, oh là 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 là. Attends, c'est beaucoup trop niveau pour là, je suis ce délire. Soin, et elle te sauvera la vie. Attends. Oh, on peut l'améliorer autant de fois? Non. Mais what the fuck? Tu vas bien? C'est pas quelques macabres claquants du bec qui vont me faire peur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me balade avec un bandage sur la tête pour attirer l'attention? J'ai été brutalisé par un ours! Effleuré, tu veux dire. Bon. Bougez pas.
quelque chose m'embête. Alors, Atreus, on peut presque le mettre au max, le frérot. Ok. Allez, Atreus, ça dégage. La lance, c'est en cours. Oh la vache, tout ce qu'on peut faire. Ok. Très bien. Et là... dommage que j'ai tout utilisé, mais bon, normalement on va être tranquille. Dommage que j'ai tout utilisé. On va être tranquille. Bougez pas, l'âme du chaos peut-être, je ne sais pas. Et oui, c'est bien ce que je pensais. H. Léviathan peut-être, je ne sais pas. Ok. Très bien. Allez, au diable l'avarice, faut bien que ça soit utilisé. Ok. On est parti. Mon frère, avant d'aller voir Freya, y a-t-il dans d'autres royaumes des... Et attends, on va te suivre. Il voulait me parler, Miskin. Je m'en battais les couilles. Allez, Mimia, arrête tes conneries, on s'en fout. Viens par ici, ça va swinguer. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est les corbeaux. Ça peut être pas mal. Le trésor perdu. Royaume accessible. Les yeux d'Odin. Est-ce qu'on irait pas voir... Allez, on va checker un petit peu les yeux d'Odin, juste pour voir si on n'a pas un petit stuff. Et après, on est parti pour la suite de l'aventure, évidemment. Mimir, que sais-tu d'autre sur le masque ? Seulement qu'il s'agissait de la grande passion d'Odin. Il a vogué sur l'océan ardent des Gyres jusqu'au cœur de la matrone silencieuse elle-même pour le trouver. Son équipage entier y a perdu la vie, mais à l'entendre, il n'aurait pas hésité à verser encore plus de sang. Ok. Allez, j'espère y trouver un petit accessoire ou quelque chose de sympa. Au moins qu'il me manque un corbeau. Il me semble qu'aux dernières nouvelles, c'est 20. Si tu as les matières premières qu'il me faut, j'ai élargi mes compétences. Je crois que je pourrais rien ouvrir, malheureusement. Nouveau père, nouvelle mère, nouveau destin, large sera. Ok. Let's go. Alors... Ok, ça il faudra que je réalise tout si j'ai bien compris. Très bien. Bon, je pense que si on a toute la tenue des yeux d'Odin, ça peut être exceptionnel. Ainsi, détruire les corbeaux libère leurs esprits. À la bonne heure. Libère. Ça les libère du joug d'Odin, en tout cas. Ok. Bon allez, direction Vanaheim. Là où on nous attend. Par où on peut passer, tiens. Nous partons pour Vanaheim. Génial. On va rejoindre Freya. Oui. Content d'en être cette fois. Que s'est-il passé à Vanaheim? J'ignore toujours comment tu as convaincu Freya de t'épargner. Nous sommes allés à son village briser le sortilège d'Odin. Une fois libre, elle a compris que je n'étais pas son ennemi. Et je crois que tu aurais aimé voir Brock cul par-dessus tête au beau milieu du camp de Freyr. Vous avez rencontré Freyr ? Comment est-il ? Différent de sa sœur. Il manque de conviction. Exact. Mais il est plus prompt à pardonner. C'est un dirigeant incompétent. Mais il est plein de bonnes intentions. Il te plaira, petit. Allez, c'est parti ! Waouh ! C'est magnifique. Et, mouillé. Et surtout dangereux. Plus dangereux que elle. Écoutez les amis, on va s'arrêter là.
Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt dans la suite de notre aventure. On va aller retrouver évidemment Freya. Allez, à bientôt tout le monde, bye bye.